a dit que qui est une femme les a réunis, eux tous, appelés tout le monde. Du genre, elle voulait me montrer comment qui est une femme a fait de bonnes choses pour Laurentia. Et puis Laurentia est devenue ingrate envers elle. Pourtant, elle ne sait pas qu'elle a la même. Elle ne sait pas que c'est une raison. Voilà. Elle ne sait pas que c'est une raison qui pousse qui est une femme à faire tout ce qu'elle a fait aujourd'hui. Elle ne sait pas que c'est une raison aujourd'hui qui démontre qui est une femme qui fait les choses dans le noir. Parce qu'on est tous ici. Est-ce que vous avez vu une fois qui est une femme là pour dire « Ah, je veux tous les Gabonais, venez. » Il n'y a pas d'influenceuse au Gabon. Il n'y en a pas. Donc, notre seule heureuse est là. On doit la soutenir pour la mettre en haut. Mais dans les une bosse, elle est encore très dangereuse. Et c'est la preuve qu'elle a. Elle est très dangereuse. Elle, c'est quelqu'un qui renie. C'est quelqu'un qui fait des groupes. Elle est habituée à des groupes. Parce que Alida dit, c'est qui est une femme qui l'a convaincue pour qu'il puisse aller rendre Laurentia grande influenceuse. Donc Alida me dit, Sylvia, c'est devant vous. Sylvia demain. Ça y est, allez la crête, maman. Voilà, il bizarre. Pendant qu'elle s'est fâchée, elle, Alida. Pourtant, Alida dit la vérité. La seule vérité qu'Alida dit là, elle va se fâcher avec elle. Parce que c'est quelque chose qu'elle garde secret, qu'elle ne veut pas qu'on sache sur Internet. Parce que qui est-ce qui ne veut pas que les actes qu'elle fait dans le noir là-bas là, faut pas qu'on s'avoue. Donc, de la même qu'Alida est venue parler aujourd'hui là. C'est pas méchant. Hein. En tout cas, Alida, tu n'as rien dit de méchant. Tu n'avais que dit une vérité. Voilà. Mais cette vérité en question, qui est-ce qui va moi se fâcher là-bas? Donc, elle dit qui est-ce qui va me les a convaincus pour dire que on va rendre Laurentia star. Elle dit, mais Laurentia n'a pas demandé ça. Elle dit, non, c'est qui est-ce qui va me qui a pris l'initiative elle-même de vouloir rendre Laurentia grande influenceuse. Que elle dit que il n'y a pas d'influenceuse au Gabon. Qui est-ce qui femme? Elle me fait la morale pour dire que il faut être folle. Vous faites parler à elle de vos profils. Que où sont les preuves? Que quelqu'un qui fait parler, ou même quelqu'un qui répond à un faux profil, c'est une personne qui est folle. Mais le jour là, le jour de son départ de la Ekaland, elle a fait parler avec elle les faux profils. Elle a fait parler parce qu'elle dit que Emmanuel Keïta a des abonnés qui l'insultent en faux profil. Oui, faut pas se mentir. Ce live là, elle a fait dans la nuit noire, en train de crier dans la zone lampadeur, très énervée. Parce que Emmanuel Keïta a ses abonnés qui sont en faux profil, qui tentent de l'insulter. Ce jour-là, elle était vraiment folle. Comme Emmanuel le dit. Donc, ce n'est pas que de Laurentia Grams. Qui est une femme? Est une femme d'Aigri Papato. Ménopausée. Ménopausée qui a vu sa vie détruite. C'est une femme complexée de la vie. Qui a échoué dans sa vie. Où elle est assise là? Elle n'a pas encore 50 ans, mais elle a déjà des souvenirs. Des souvenirs de minables diplômes qui ne servent à rien ici en Europe. Ici. Et elle est gris, complexée. Aigrie et complexée. Elle n'a rien créé. Mais c'est elle qui l'ouvre et qui gueule. Elle ne peut rien faire. C'est elle qui l'ouvre et qui gueule. Laurentia a demandé d'être influenceuse. Tu as été refoulée par la team de Emmanuel Keïta. Tu as été refoulée chez Emmanuel Keïta. Là où tu voulais être au port d'Emmanuel Keïta, là où tu voulais que Emmanuel Keïta te mette là, elle ne t'a pas mise là-bas. Tu as été frustré, complexé, refoulé par Emmanuel Keïta et sa team. Cela t'a énervé. Oui, cela t'a énervé. Et c'est en cela que tu dis que tu vas aller créer une autre influenceuse que tu vas suivre pour avoir la première place auprès d'elle. Et tu as choisi Laurentia Grams. Laurentia n'a rien demandé. Oui. Laurentia n'a rien demandé. C'est toi, en tant que femme d'Aïri. C'est toi, en tant que femme Papato. C'est toi, en tant que femme qui ne fait rien en Europe. Voilà ce que tu sais faire le mieux. Et encore plus, manger la CAF. Oui. C'est toi qui as voulu rendre Laurentia Grams influenceuse. On a entendu. Ça, là, on a entendu. Il faut venir dire que c'est faux. Il doit parler. Viens dire que c'est faux. Ah, si tu dirais ça que c'est vrai, hein. Voilà, parce qu'Ida a parlé. Donc, tu t'en rends quelqu'un influenceuse. Maintenant, de la manière que tu es fait là, la femme dit elle ne veut pas. Tu as dit que la fille serait influenceuse. Tu allais prendre un faux profil identique, même chose à que de nous des blogueurs. Tu as commencé à copier comme la Ekaland. Oui. Tu as pris les abonnés. Les abonnés qui étaient avec toi. Ce que je vais vous dire, une chose. Ce que je vais vous dire. Vous voyez, est-ce que la Ekaland est virulente? Non. C'est qui est une femme qui est dans tous les groupes? Qu'est-ce qu'elle fait? Dans les groupes,
les gens à faire des conneries, des saletés, c'est-à-dire les caricatures, les insultes des parents, des enfants. Et quand eux, ils font en faux profil, et puis maintenant, elle place sa caméra, et puis elle se joue les psychologues, les personnes sages. Et puis elle, son image est propre. Depuis qu'elle est partie de la écran, là, est-ce que vous voyez que la écran insulte des gens, ou bien ils font des signalements? Non. Jamais. Jamais de la vie. C'est elle qui était là-bas. Dans son petit groupe avec qui elle était là-bas, qui était dans les signalements, qui était dans les caricatures, dans les injures d'enfants, là. Elle a pris son même groupe là, et puis elle est aujourd'hui. Donc elle a voulu créer une deuxième team pareille à la Ekan, qui ressemble à la Ekan. C'est comme ça que c'est elle qui a mis dans la tête de Laurentia, tu as devenu une influenceuse. Ce, vous qui êtes à la Ekan qui en voulez à Laurentia, c'est pas Laurentia. Votre plus grand mal là, c'est qui es-tu femme? C'est qui es-tu femme qui a voulu mettre Laurentia en concurrence avec Emmanuel Keïta? Donc elle a pris son petit groupe là. Elle a pris la batate qu'elle voit de traversée là. Elle a pris pour la faire en Kéline des blogueurs 2. Si vous avez remarqué, la fille se comporte un peu comme Kéline, mais comme elle est bête là, c'est pour ça que ça ne marche pas bien. Voici aujourd'hui la colère. Voici aujourd'hui la colère de Lynn Paola. Alès, qui es-tu femme contre Laurentia Grams? Ton travail, ton métier ici là, c'est mangeuse de caf. Oui, tu es là à l'école, tu as fait tout juste ça. Pour finir, manger de caf. Oui, tu es là à l'école. Tu as eu 10 minutes de sociologie jusqu'à dans EPP pour les perdre jusqu'à. Pour finir, mangeuse de caf. Drogba, grand footballeur. Oui, on le prend pour faire publicité. On ne prend pas les bêtises comme toi, des non-nèmes comme toi, des saletés comme toi pour faire publicité. Oui, parce que c'est du marketing. Fais la pub. Amener des gens à payer les produits, amener des gens à consommer les produits des entreprises. C'est quelque chose, il faut être né avec ça. Et toi, tu n'es pas né avec ça. Didier Drogba est payé à des millions. Tu as plein de travail de publicité pour dire que oui, ce n'est pas du travail. Montre-nous ton contrat de travail, on voit. Montre-nous ton cabinet, on voit. Peut-être que tu t'es cervelé.